Une autre belle aventure qui commence. On est toujours en Floride. Ça fait environ une semaine qu'on est ici. On a attrapé des sailfish, des beaux poissons. Ensuite, on a essayé d'aller faire du swordfish. On a fait deux journées là-bas. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Aucun résultat pour nous. Mais on a eu une belle invitation. Durant l'été dernier, j'ai pêché avec Nick Hawkson. Il m'a parlé qu'il y avait un ami qui était ici, qui était guide de pêche, puis qui faisait prendre des Goliath Groupers. Le Goliath Grouper, c'est un poisson de raie. Ça peut devenir gigantesque. Des poissons de 5, 6, 700 livres. C'est totalement incroyable. On a donc fait un petit appel à Kevin, qui est le propriétaire ici de Six Charter Charter. Puis il nous a dit qu'il y avait de la place et qu'il était prêt à nous recevoir. On s'est donc déplacé. Je suis toujours avec Sébastien, avec Yvan. On s'en va faire une journée de pêche. Puis vous avez deviné, l'objectif, c'est certain, c'est le Goliath Grouper. J'ai vu souvent ces poissons-là, j'ai vu des combats, c'est extraordinaire. J'ai hâte de voir si on va réussir à mettre la main sur un. Je pense que oui, on est confiant, sérieusement. Ce serait le temps qu'on ait quand même un peu de chance. Puis si on peut réussir à sortir ce poisson-là, ça va être inimaginable. Fait qu'on est parti, on va aller passer une belle journée. Encore une fois, la température de la Floride est parfaite pour nous. Ça va être une belle journée de pêche. Première étape de notre voyage aujourd'hui, c'est d'essayer d'attraper des appâts vivants. On est ici dans une belle petite baie. On recherche les appâts. Kyle est en avant, qui est notre deuxième capitaine aujourd'hui avec nous. Il va tirer vraiment des gros filets pour attraper les appâts. Ça nous prend ça pour aller chercher des gros Goliath Grouper. Donc, c'est une étape très, très importante. On peut voir en plus les dauphins qui sont tout le tour de nous, qui se nourrissent. C'est magnifique, sérieusement. J'adore la place déjà. On a déjà une belle journée devant nous. We'll get them. It's gonna be fun. We'll throw a few of them in the live well, and then we'll go Goliath hunting. All right. All right, just James or. Maintenant qu'on a attrapé les petits appâts, qu'est-ce qu'on cherche? C'est des appâts qui sont plus gros. On va chercher des Blue Runner, environ cette grosseur-là, ou sinon des Karang aussi, pour après ça se diriger vers le Goliath Grouper. Parce qu'on va s'en douter que les appâts qu'on a présentement sont trop petits pour le Goliath. Donc on fait la chaîne alimentaire, puis après ça, on s'en va s'attaquer au roi. Still first fish, right? It's still 1-0. Oh, a jack! Yep. A baby jack. It is enough big, or? Oh, these are perfect. Oh. That right there looks like a white bait swimming through the water with the red on it, and that's percent. So. Okay. Yes. This is called a leather jack with a yellow tail on it. Yeah. If you touch him and he gets you with the little spikes, it's like getting stung by a bee. Oh, it hurts a lot. Yes. Laisse faire, j'en remplis du vieil. Oh, snapper time! I think my dirty fish, oh, it's enough for me. So what we're doing now is we're going to put a little more weight on here because we just don't have quite enough lead on here. We're just gonna add some more of these leads.
lead weight, big hook, and send one of those jacks to him and see what eats it. There's a few different ways to rig this. I like to add 3 or 4 of these, 5, 6 of these sometimes, because it acts, it'll help with chafing as well. Keep the fish from biting through the line as much. When these fish grab them, you want to give them a couple seconds to chew on it, and you don't want to set the hook. You just want to start applying pressure to them and then reel on them. So the bigger goliaths, like this is where they live. They don't venture too very far. So when they realize they're hooked, they're just going to go straight home. They're going to bury themselves in that wreck. And if they wrap you up, we'll lose them pretty quickly. So you kind of got to, I tell everyone to do like the 2-pump rule. I lift up on them, you get 2 cranks, lift up on them, get 2 cranks. And some of these fish are, you know, bigger than us, so hold up, okay? You'll feel the tug. La pêche est commencée. On a 2 lignes pour les goliaths. Qu'est-ce qui va être difficile vraiment, là, c'est quand le goliath va prendre la peau. Lui, ce qu'il va avoir comme réflexe, c'est de retourner dans sa maison, dans sa caverne à travers les récifs. Faut pas. Parce que s'il retourne dans les récifs, on sera pas capable de le sortir, ça va couper la ligne. Donc, les premières secondes sont vraiment importantes. Par contre, au début, quand tu commences à mordre, il faut y laisser un peu de temps pour qu'il avale la peau au complet. On pêche avec des surqueloupes, des hameçons en cercle. Dans ce temps-là, c'est vraiment un hameçon qu'il faut laisser ingérer au niveau du poisson. Puis après ça, ça va se prendre sur le bord de la bouche. D'après moi, un gros de même, ça se sort pas tout seul. That's a real one. That's a real one. Vas-y, vas-y. Tu peux le ramasser. Regarde. There we go. Es-tu prêt? On est en train de le ramasser. Regarde. Ben oui, il y avait 50 pieds d'eau. 50 pieds d'eau. Je vais te laisser aller si tu es capable, mais. Non. Non. Hey, c'est quelque chose. Oh, oui, vas-y. Oh, keep going. Yeah. He's got a head shake to him. Ooh. Oh. Ah. Wow! We'll get him. Ouh! Hey, c'est probablement un des poissons les plus forts que j'ai jamais eu sur la ligne. Tabarouette! We'll get him. Ouh! Hey, je suis déjà un bras mort. C'est... wow! Hey, c'était malade! Je fais ça moi aussi, là! Mais non, mais quoi? Au début, tout seul, c'est impossible. Ah ouais? T'es pas capable de le remonter tout seul. Youhou! Depuis tantôt qu'on voit les barracudas tourner autour du bateau, il m'a donné un leurre pour essayer de les taquiner, vraiment un leurre de surface. J'ai fait quand même quelques lancers, j'ai changé un peu de technique. Ça n'a pas été long qu'il y en a un qui m'a montré l'agressivité. Oh, il était pas prêt. On pensait qu'il était prêt tantôt, mais il n'avait pas tout donné déjà. Ok, c'est instantané, le suivant, pas mal. We'll get another one. Yeah. Nice. Don't go too high with the rod. Go there and I'll reel down. Oh no, I got a go. Go. There you go. There you go. Don't go too high with it. Don't go too high with the rod. Yeah. Encore une fois. What? On a un goliath pour ton sac, un gros barracuda de l'autre côté. C'est complètement fou la pêche, complètement fou. You don't want to get in the wreck. You got him, yep. Reel down on him. Keep going. He's got him, yep. Yeah. It come up. Yeah. That's the day in the mind. Reel. That's the one that's not fast. Reel down. Hey, it's all you, buddy. It's all you. Mais pas facile. Oh,
Et moi, je suis encore avec mon barracuda. Puis pendant ce temps-là, moi, je fête encore un gros barracuda en arrière. Yeah, man! Careful of the spine on this anal fin right here. Spine. Ha, ha, ha! Just on the view, brother. Pas facile à tourner. OK. Yes! Moi, je ferme, pis y'a pas. Le mien, il me fait en table. Bon, ben, moi, pendant ce temps-là, je pense que mon barracuda s'est fait manger par autre chose. C'est parti. Probablement un requin qui l'a dans la bouche. Je pourrais plus rien faire. Félicitations, man! Je reprends mon souffle, on y va pour un deuxième. Wow, yeah! C'est des beaux moments à vie. My name is Kevin Koprasch. I'm the owner of Six Shooter Charters here in Marco Island, Florida. We are a 32-year-old company. My wife and I are operating right here out of Marco Island. We cater to all sorts of fishing. We do 4, 6, and 8-hour trips. We got 6 boats based out of the heart of Rose Marina, right in the middle of the island. And we cater from families who want to do a little light fishing and dolphin shows, all the way up to hardcore guys who want to run, you know, miles and miles offshore. So. Born and raised in Canada, we came down to the States, and we call South Florida home now, and we love fishing Canadians, we love seeing Canadians, and we can't wait to get more of you guys out. So on the Gulf Coast of Florida, a lot of our wrecks are habited with very large Goliath grouper. They range anywhere from 40 pounds up to about 400 pounds, and they tug hard, they pull hard, and they live on the wrecks. And we're able to get to those wrecks on our boats and get them up to the boat. Well, the Gulf of Mexico is a big fish bowl, so big fish eat small fish. So when we want to go target Goliath grouper, we start our morning out catching some small bait. We use the small bait to catch a little bit bigger bait, and then we like to use jack crevalles or blue runners, and we sink those right on the bottom, and the Goliaths come up and snatch them up. We got 6 great captains, and you know, we're family oriented all the way up to hardcore anglers. So it's we'll cater to you. Whatever you want to do, we'll make it happen. Yeah! Wow! Oh, no. It's the one under the boat. Whoa! Yeah! Woo! Yeah! Woo! C'est malade, c'est les poissons un après l'autre. Un beau barracuda. Very careful. How are you, man?
Tu veux ta ceinture? Ah ouais, Yvan! Là, Yvan, faut que tu pondes. Tu rilles en descendant. Tu pondes. Là, dans le fond, qu'est-ce qui vient de se passer? C'est exactement ce qu'il nous expliquait au début. Quand on a la trappe, des très gros sont forts. Ils retournent dans leur caverne, dans leur maison, à travers les récifs. Puis là, on n'est plus capable de les faire sortir. Puis la ligne, la plupart du temps, va se briser sur le bord du récif. Là, ils donnent la ligne pour qu'ils sortent lui-même. Ouais. En ce moment, ils laissent la ligne pour essayer de le faire sortir. Oh, il est... Ah, il est gros, là. Ah ouais! That's a... ouais. C'est vraiment un gros, ça, Yvan. T'auras pas le choix d'aller te baigner, là. On va pas te baigner avec ça. Moi, je vais y aller. Incroyable de voir la force des poissons. On a tellement d'actions depuis tantôt, là, les barracudas en arrière de l'eau, les goliaths, c'est incroyable. Hold on, is he wrecked up again? I don't know, man. I don't think so. He's fighting. Ça, c'est la BS. C'est pas ça, il rentre dans le rep. Yeah, he's wrecked. On est pris dans le fond, en fait. Oh. Oh, he's out. Oh, hold on, hold on. He was out. Nope. He was out. Hold on. He just moved. He's back. Go, good one. That's a good one. Rod holder? Hooks out. Yeah, sir! Oh, no. Good job, guys. Should he tighten the drag a little bit? I have one. Push the four. Keep going forward. Nice fish. Big one. Yeah, good size one. Yeah. You want to go swimming? Yeah. In and out of the water pretty quick, okay? I just, a lot of toothy critters swimming around. Yeah, they're okay. It's okay, just don't get in there for an hour. Yeah! Woo! What a fish. Yeah! Nice! Oh, there he goes. Oh, sorry. Oh, yeah! Didn't see you there. Perfect. Work, hey, quand t'as le guide est stressé que t'ailles à l'eau, c'est pas bon.
Incroyable l'expérience qu'on a vécue aujourd'hui avec tous les gros Goliath. Je pense que tout le monde est vraiment content. Hein? Nice. Sébastien! Yes. Beau travail d'équipe! Nice. Merci au guide! Thank you, gentlemen! Nice work, guys! Nice work! Yeah. Ouh, les gars ont fait un travail incroyable! Parfait! Je conseille ce voyage-là à tout le monde! Ouh! Déjà la fin, encore une fois, de notre aventure ici en Floride avec Yvan de Get It Wet Spoil Fishing. On a eu beaucoup de plaisir, beaucoup d'expériences de pêche en plus. On a commencé avec le sailfish, au kite fishing, au cerf-volant. On a eu beaucoup de travail à faire. Ça n'a pas été super évident, super facile cette année, mais on a quand même réussi encore une fois à s'en sortir. Et après ça, on a eu la chance d'aller du côté de Marco Island. C'est la première fois pour moi, première expérience. On a sorti des gros groupers, plein de barracudas. C'était incroyable, sérieusement. Merci à Nick Oxon qui m'a référé à un de ses amis qui est là-bas, Kevin, qui nous a bien reçus, bien guidés. Ça a été parfait vraiment pour terminer notre aventure ici du côté de la Floride. Et même pour moi, pêcher avec Kevin, c'était formidable. Comme guide, aller pêcher avec un guide, je le recommande immensément. C'est rare que tu te fais recevoir, là. Ah, je me fais jamais recevoir, puis vous regardez avec un autre guide, comme j'étais en arrière, c'était super. Je pense que tu as aimé ça aussi. De mon côté, effectivement, première expérience en Floride, première expérience avec l'équipe de Roadfish. J'ai adoré plusieurs poissons à ma liste que vous pouvoir enlever dans une vie à capturer, parce qu'on a pogné de beaux spécimens, des gros spécimens. Un beau Goliath Roper, c'était parfait. Un beau barracuda, faut pas l'oublier. Oui. Ah, honnêtement, c'était un voyage de rêve pour n'importe qui. Pour n'importe qui. On a fait plusieurs espèces, c'était vraiment le fun. Merci les gars! Merci! Merci Adam! Yes! Merci Yvan!